Il est 7h, Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous avoir choisi pour vous informer à Budapest. Le garant de la nation a évoqué à la communauté congolaise vivant en Hongrie de questions d'actualité du pays. Félix Tshisekedi a aussi brossé le nouveau tableau du pays sous ses seconds mandats. Ce journal débute par ses commentaires de Blandine Jovo. La communauté congolaise vivant à Budapest, une grande famille réunissant les compatriotes de divers horizons qui sont venus témoigner leur attachement à leur patrie, profitant de la présence du président de la République en visite d'État à Budapest. D'entrée de jeu, actualité oblige, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a fait observer une minute de silence en mémoire de Dikembe Mutombo, ancien basketteur de la NBA et philanthrope d'origine congolaise, décédé lundi. Restez encore debout pour quelques secondes pour nous recueillir en mémoire de d'un de nos compatriotes, un illustre compatriote qui a fait la fierté de notre pays et même de notre continent. J'ai cité Mutombo Dikembe qui nous a quittés hier. Donc, voyons observer un petit moment de recueillement, une pensée pieuse pour lui, pour sa mémoire. Je vous remercie. Animés par l'amour de la patrie, les Congolais qui ont choisi la Hongrie comme leur seconde patrie étaient motivés par le souci de maintenir les liens forts avec la République démocratique du Congo, leur pays d'origine. Dans son discours devant ses compatriotes, le président de la République a abordé plusieurs sujets d'actualité liés à la marche du pays, notamment les défis sécuritaires et l'épineuse question du dialogue politique qui alimente l'actualité au pays. Ici, je voudrais être clair avec vous, je ne suis pas à l'origine d'une telle initiative, car pour moi, le pays n'est pas en crise politique pour chercher à tenir encore des dialogues qui vont aboutir sur des arrangements, qui vont encore mettre le pays entre parenthèses. Nous ne voyons vraiment pas ni la nécessité ni l'urgence, mais moi, comme toujours, et avec tous mes compatriotes, j'ai toujours eu les bras tendus, les bras ouverts, pour parler avec quiconque le voudrait. Donc ici, je voudrais vous informer que ce débat ne concerne ni ma personne, ni la famille politique qui est la nôtre. Donc il n'y a pas une telle initiative qui soit en chantier quelque part. Donc ceux qui parlent du dialogue, bon, ils parlent peut-être de leur volonté à vouloir parler avec nous. Et là, je le dis, la disponibilité est là. Tout compatriote congolais a droit au débat, a droit au chapitre, a droit au dialogue avec même le chef de l'État s'il le désire. Mais évidemment, en tenant compte du respect de nos lois, du respect de la bienséance et ne pas venir avec des menaces ou des vociférations pensant pouvoir intimider qui que ce soit. Une séance de questions-réponses a permis aux membres de la communauté congolaise de Hongrie d'exprimer leurs préoccupations et leurs espoirs. Des sujets variés ont été abordés, notamment l'éducation et les opportunités d'investissement en RDC. L'occasion pour le président de la République d'encourager ses compatriotes à maintenir les liens forts avec la terre de leurs ancêtres, le Congo. Mutombo Dikembe s'en va dans le Déla. Le président de la République a rendu hommage à ses basketteurs. Dans un message parvenu à notre rédaction, Félix Tshisekedi s'est dit consterné par ces disparitions brutales. Au nom du peuple congolais et à son nom, le garant de la nation a adressé ses sincères condoléances. Oscar Mbalkaïch. Il mérite les hommages de toute une nation, de tout un peuple, et mieux du monde. Le célèbre basketteur international du NBA, Mutombo Dikembe, a tiré sa révérence à l'âge de 58 ans aux États-Unis d'Amérique des suites d'une maladie. De la Hongrie où il se trouve en mission officielle, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo
s'est dit consterné par la disparition brutale de l'ancien basketteur Mutombo Dikembe. Dans un message parvenu à la rédaction, le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a dit, je cite, « Le chef de l'État adresse à son nom et au nom du peuple congolais ses sincères condoléances à sa famille, à ses proches et à ses fans en RDC ainsi que dans le monde. Mutombo Dikembe était un grand sportif de talent, un citoyen engagé et un exemple de réussite pour la jeunesse. Le président de la République rend ainsi hommage à ses dignes fils du pays, philanthrope dans l'âme, qui a porté haut l'étendard de la RDC et œuvré pour l'intérêt général, notamment dans les secteurs de la santé et de l'éducation. » Fin de Ses amis et coéquipiers ne réalisent pas ce qui est arrivé. I just heard the news about Dikembe Mutombo. Je viens de recevoir une triste nouvelle de Dikembe Mutombo. It's really hard to believe. Très difficile d'y croire et de vivre sans lui. Yeah, it's hard for us to be without that guy. Mutombo Dikembe est parti, certes. La mémoire collective se souviendra de cette icône du monde du basket. My job was to play the game of basketball. Allez, on change carrément de chapitre. Après la province de la Tshopo, le vice-premier ministre en charge de la défense nationale a mis le cap sur la province de l'Ituri. Gu Kabombo, Moyen Vita, est déterminé à rétablir la paix dans cette province de la RDC placée sous état de siège depuis 2021. Sandra Nyangi. Mardi 1er octobre 2024, Gu Kabombo Moyen Vita vient de fouler le sol de Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, province placée sous état de siège depuis 2021. Cette première visite dans la partie est de la République démocratique du Congo s'inscrit dans la droite ligne de son programme de tournée en province. De blanc vêtu, symbole de retour de la paix et de la sérénité, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a été accueilli par une pluie de bienvenue. C'est l'insigne de renouveau reflétant l'espoir d'un nouveau départ. Une parfaite combinaison de ces signes naturels. Cette visite de travail vise à rechercher les solutions au conflit et restaurer la paix dans les zones touchées par les troubles. Le programme du patron de la Défense nationale prévoit la tenue d'un conseil provincial de sécurité mixte, la visite de quelques bases militaires et des séances de travail avec les différentes unités de la 32e région, garnison Bunia. S'imprégner de la situation sécuritaire de la province de l'Ituri sous état de siège, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, prête oreille attentive aux différentes parties prenantes venues à sa rencontre. Au cours d'un entretien avec les députés nationaux et provinciaux sur les questions sécuritaires de la province de l'Ituri et la persistance de l'état de siège, plusieurs préoccupations ont été soulevées et des recommandations ont été formulées au patron de la Défense nationale pour venir à bout de cette insécurité persistante. Dans un mémorandum, les notabilités de l'Ituri ont présenté l'évaluation des mesures prises dans le cadre de l'état de siège et lui ont promis leur accompagnement. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, Gu Kabombo Moyen Vita, a sollicité la collaboration des différents acteurs et a émis le vœu qu'à sa prochaine visite dans cette province, que l'on parle du développement et non plus de la guerre. Invité d'honneur à la cérémonie d'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale ivoirienne, Vital Kamerhe, président de la Chambre basse du Parlement congolais, a salué les progrès et la maturité politique ivoirienne. Anim Balaka. Devant les députés, les sénateurs et plusieurs invités ivoiriens, lors de l'ouverture de la deuxième session ordinaire d'octobre en Côte d'Ivoire, le speaker de la Chambre basse du Parlement congolais a salué les progrès et la maturité de la classe politique ivoirienne et les sursauts patriotiques de son peuple, ce qu'il considère comme un modèle à copier pour la paix et le développement. Nous sommes le mardi 1er octobre 2024. Vital Kamerhe a loué les efforts déjà entrepris par le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et son homologue de la Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara, pour le rapprochement de leurs deux peuples ayant en commun la même culture et les mêmes défis. La volonté ne manque pas, mais c'est depuis 30 ans que notre pays est en guerre. Comment voulez-vous vous occuper du développement au moment où une grande partie de la République démocratique du Congo est occupée
par les agresseurs. Cette partie-là représente 55 millions d'habitants. Presque le double de la population de la Côte d'Ivoire. Et nous pensons qu'avec l'aide de la diplomatie parlementaire, vous allez certainement venir au secours de la République démocratique du Congo, qui se bat derrière son chef, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Par ailleurs, le président de l'Assemblée nationale de la RDC a saisi cette opportunité du haut de la tribune du Parlement ivoirien pour interpeller les nations et la communauté internationale sur la situation sécuritaire précaire dans l'est de la RDC suite à la guerre d'agression imposée par le Rwanda et ses supplétifs du M23. Vital Kamerhe a en outre appelé les pays africains à œuvrer pour la paix et la solidarité, gage du développement du continent. Au pays, le vice-premier ministre de l'Intérieur a lancé le travaux de la 9e édition de la commission technique mixte sur la délimitation et la démarcation de provinces depuis lundi. Deux experts de deux pays discutent à ces sujets. Bobo Mokonzi. La 9e session de la commission technique mixte sur la gestion des frontières entre la République démocratique du Congo et la République du Congo a ouvert ses portes. C'est le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières, Jacquemain Chabani, qui a lancé ses travaux en présence de son collègue du Congo-Brazzaville, Raymond Zéphirin Mboulou. La République démocratique du Congo et la République du Congo sont deux pays frères. Ils sont condamnés à vivre ensemble, d'autant plus que tout au long des deux rives, ainsi que sur la frontière terrestre, nos populations ont une histoire commune. Pendant deux jours, les experts de deux capitales les plus rapprochées au monde vont s'étaler sur les questions relatives à la délimitation, la démarcation et la coopération transfrontalière. C'est aussi un cadre approprié afin d'aplanir les divergences entre les deux pays. Il ne s'agit pas de créer des barrières, mais bien de faire de ces frontières, des passerelles, des espaces communs de coopération frontalière où devaient se développer les échanges commerciaux. Longue de 1550 km, dont 350 km terrestres et 1200 km de voies fluviales, ainsi que la rivière Oubangui. Cette frontière est régie par le protocole délimitant les frontières entre l'État indépendant du Congo et les possessions françaises dans la région de Manyanga du 22 novembre 1885. Justement, la démarcation en partie dans cette région de Manyanga est visible à partir de bornes érigées en 1954. Ouverture hier, mardi, au Palais du Peuple de la session d'octobre au Conseil économique et social. Son président a présenté lors de cette cérémonie d'ouverture quelques propositions sur plusieurs questions politiques, sociales et économiques. Le Conseil économique et social a ouvert le mardi 1er octobre 2024 au Palais du Peuple sa session ordinaire d'octobre. Devant plusieurs autorités venues pour la circonstance, le président de l'Assemblée consultative, Jean-Pierre Kiwakana, a présenté quelques propositions sur plusieurs domaines de la vie. En rapport avec les tueries de l'Est, le Conseil économique et social soutient les efforts qu'essaie de déployer le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et le gouvernement. Jean-Pierre Kiwakana interpelle les auteurs des tueries des femmes et des enfants, tous des innocents. Nous en tirons la conclusion que loin des belles et grandes idées de fraternité universelle et d'amitié entre les nations avec lesquelles on nous flatte pour mieux nous anesthésier, seule la force et le sérieux dans le travail ne pourront assurer la pérennité de la nation et le bien-être de nos futures générations. Ainsi, il est utile aujourd'hui de revisiter avec prudence et discernement la loi fondamentale qui emprisonne le système politique congolais dans un système de gouvernance toxique et inadapté, sacrifiant ainsi les intérêts supérieurs du pays au profit des seuls intérêts particuliers des individus et des partis. Après analyse de la situation politique du pays, le Conseil économique et social suggère que tout soit mis en œuvre pour que la politique congolaise telle que pratiquée aujourd'hui cesse d'être l'obstacle majeur à l'épanouissement et au bien-être de la population, surtout pour sortir la RDC de la pauvreté. Notons que le Conseil économique et social a pour mission d'assister le gouvernement et les parlements dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques par le biais de ses orientations et de ses propositions à travers les avis consultatifs.
Dans un autre registre, lutte contre le blanchiment de capitaux, un séminaire a été organisé par l'ONEC à l'intention de formateurs africains experts comptables. Les autres détails dans ces récits. Ils sont venus de plusieurs pays pour suivre ce séminaire de formation des formateurs sur la gestion de cabinets d'expertise comptable et les management d'équipes. Je suis venu donc à la demande de la FIDEF animer quasiment une semaine de formation avec deux thématiques principales. La première, c'est que mes stagiaires sont des formateurs et donc je les aide à devenir de meilleurs pédagogues. C'est un séminaire de formation de formateurs. Et la deuxième thématique, c'est que ce sont également des patrons, des directeurs de cabinets d'expertise comptable avec une problématique que rencontrent tous les cabinets, c'est le management des équipes. Et je les aide à devenir de meilleurs managers de leurs équipes. Cette formation, appréciée par le participant, a été organisée par la FIDEF, la Fédération internationale des experts comptables et francophones, et l'ONEC, Ordre national des experts comptables. Ce séminaire de formation a été sanctionné par une attestation de participation remise aux participants par le vice-président de l'ONEC RDC, Jean-Jacques Moukoula. Vous savez tous combien l'ONEC attache d'importance à construire des cabinets forts. C'est dans la mesure où nous construisons des cabinets forts que nous pouvons avoir un ordre fort. Et ici, l'occasion nous a été donnée de nous former, non seulement à former les autres membres de nos cabinets et les autres collègues, mais aussi comment nous pouvons gérer nos cabinets. J'espère que tout le monde va tirer les bénéfices, en fait, pour l'intérêt de notre ordre commun. C'est le Pullman Hotel qui a servi de cadre à cette formation de formateurs des experts comptables. Madame, monsieur, savez-vous qu'il y a le son congolais dans nos téléphones et véhicules fabriqués par certains géants américains? Il est demandé à ces firmes de cesser d'exploiter illégalement le minerai congolais. Elles doivent plutôt collaborer droitement avec le gouvernement. Message lancé par la ministre d'État en charge de l'environnement et son collègue du commerce extérieur lors de l'ouverture de la première édition du Forum économique du ACUSA. Erika Bamba. Les sons congolais coulent dans le téléphone Apple et certaines marques de véhicules fabriquées par certains géants américains à partir de minerais provenant de mines congolaises exploitées illégalement. Pour couper cette hémorragie, la RDC et les États-Unis se retrouvent ensemble autour d'une table au cours de cette première édition du forum DRC-USA à Californie. Devant le représentant de Apple, Tesla numéro 1 des voitures électriques et Google, la ministre d'État en charge de l'environnement, Eva Zaïba, et les ministres du commerce extérieur, Junep Aloukou, avaient un seul message. Sur la tribune, ils ont sommé ces géants américains à tourner le dos aux commissionnaires pilleurs des minerais congolais et à collaborer directement avec le gouvernement congolais. Comme nous sommes au cœur des consommateurs finaux de nos minerais, eh bien, nous avons voulu porter les messages pour dire, eh bien, on a souvent à collaborer avec des commissionnaires qui ne sont pas des véritables producteurs. C'est le moment pour tous les partenaires américains, sous l'égide d'une gouvernance mise en place par Félix Antoine Tshisekedi, de collaborer avec les... Ces grands rendez-vous d'affaires économiques a aussi vu la participation du gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kaboula, et de la représentante de la gouverneure du Lualaba, qui, lors de leurs interventions, ont vanté les atouts et potentiels de leurs provinces respectives. Poursuivons cette édition Démocratie Business en RDC aux USA. Patrick Muyaya Katembwe, porte-parole du gouvernement, a invité les investisseurs de venir en RDC. Les opportunités d'affaires étalées à ses futurs investisseurs. À cette conférence organisée par AfriCell, le ministre des Médias et porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya a rassuré ses interlocuteurs des efforts déployés par la République pour améliorer le climat des affaires et faire du pays de Lumumba un pays attractif en matière des investissements. Juste un conseil, nous n'avons pas besoin de démocratiser l'Afrique, mais plutôt d'africaniser la démocratie. Cela doit s'adapter à notre continent, à notre pays.
Invitation a été lancée à cet effet aux investisseurs potentiels à venir installer leurs activités en République démocratique du Congo. Souvent, les narratifs sur la RDC est mal présenté. Mais si vous arrivez en RDC, vous allez trouver un peuple généreux, un potentiel énorme. Et si vous injectez 10 dollars, vous pouvez en gagner 1000. Même exercice pour le ministre des médias, Patrick Muyaya, lorsqu'il était face aux panélistes de Bloomberg, cette agence de presse américaine qui couvre l'actualité économique à travers le monde. For the past 30 years, il y a quelques années, nous avions de très bonnes relations avec les Rwandais. Et aujourd'hui, la raison principale de la guerre dans l'est du pays, ce sont les ressources naturelles, ce sont les ressources minières. Is about mineral resources. Un nouveau narratif sur les doing business a été présenté à cet effet par les patrons des médias lors de ce forum de haut niveau. À Kinshasa, au palais de la Nation, le scientifique évoluant dans le secteur de la santé réuni autour du conseiller du chef de l'État au collège santé publique. Leur réflexion a tourné sur le système de santé en RDC. Réévaluer les systèmes de soins de santé en RDC afin d'apporter des évidences basées sur les recherches est l'objectif poursuivi par ces dîners de travail organisés par Bokafo et Fofa Ikelemba, conseiller principal du chef de l'État au Collège de santé et bien-être. Autour de lui, différents experts ayant été impliqués dans la gestion de la pandémie Covid-19 dans le pays pour partager leur expérience. Les participants à cette activité ont passé au peigne fin la gestion de Covid-19 en RDC d'une manière globale. Motivation, se servir du passé pour prendre des précautions devant d'autres pandémies et épidémies, mais surtout avoir un système de santé résilient capable de protéger la population congolaise telle que voulue par Félix-Antoine Tshisekedi, président de la RDC. Si nous sommes venus rapidement répondre à cette invitation, c'est parce qu'en fait, il s'agit d'un exercice de capitalisation. Et aujourd'hui, à travers ces études qui ont été restituées, nous avons compris qu'en fait, nous avons beaucoup de leçons à tirer sur notamment d'abord la communication. On se rend compte que chaque fois que nous mettons en place des programmes de santé publique, nous négligeons beaucoup la communication. Or, c'est avec la communication qu'on peut obtenir l'engagement communautaire. Cette expérience a été plus qu'enrichissante. Nous remercions certainement l'initiative prise ici par le conseiller principal et surtout mieux nous préparer, nous armer contre l'épidémie de monkeypox qui frappe aujourd'hui notre pays. Les conseillers principaux du chef de l'État en matière de santé travaillent activement pour garantir des interventions adaptées et durables afin de matérialiser la vision du président de la République qui veut offrir des services de santé de qualité à ses compatriotes. Autre grand titre de ce matin, le monde a célébré hier la journée internationale de personnes âgées. Initiative de Nations Unies pour honorer les contributions que le personne âgée apporte à la société. Ces reportages font focus sur les activités organisées en RDC. Le réseau international francophone des aînés d'Afrique, RIFA, est descendu sur le terrain ce mardi 1er octobre 2024 pour remettre des vivres et non-vivres aux pensionnaires de l'hospice des Veillards des Kabinda à Kinshasa en marge de la journée internationale des personnes âgées. Une journée instituée par les Nations Unies pour rendre hommage aux personnes de troisième âge. Vieillir dans la dignité, l'importance de renforcer les systèmes de santé et d'aide aux personnes âgées dans le monde entier, c'est le thème retenu cette année pour célébrer cette journée. RIFA est venu rencontrer les pensionnaires ici pour cette fête, mais la fête est universelle et nous souhaitons bonne fête à toutes les personnes de troisième âge. Une occasion de satisfaction pour la directrice de cet hospice qui gère au quotidien les vieillards. La vieillesse ce n'est pas une maladie, oui c'est vrai. On est avec la vieillesse et au moment venu, elle nous rattrape. Ici, moi, je souffre parce qu'il n'y a pas quelque chose de consistant pour payer les médicaments. Donc, l'ONU reconnaît que la vieillesse
apporte beaucoup de maladies. Maintenant, il est tenté de faire raisonner aux gens, de pouvoir les aider en ce qui concerne la prise en charge de la santé. Les Nations Unies ont décidé de commémorer cette journée le 1er octobre de chaque année en faveur de la promotion des droits des personnes de troisième âge. Et le RIFA vient en appui pour sensibiliser les autorités sur la prise en compte effective des problèmes spécifiques de cette catégorie de la population, notamment la question liée à la santé. Écho de partis et formations politiques à l'Union sacrée de la nation, les choses s'accélèrent en vue de la grande cérémonie de l'inauguration du secrétariat permanent. Le professeur André Mbata a échangé avec le sociétaire de partis politiques Jean-Charles Okoto, venu féliciter le secrétaire permanent sur la qualité de préparatifs. Il est au micro de Robert Ndaye. Tout est fin prêt pour l'inauguration du siège du secrétaire permanent de l'Union sacrée de la Nation. Chaque jour qui passe, le secrétaire permanent de la plateforme présidentielle veille au détail. C'est dans cet imposant immeuble sur le boulevard du 30 juin que les stratégies politiques seront peaufinées. Bien équipées avec un site internet, les derniers réglages sont en cours. Ce 1er octobre 2024, le président du conseil d'administration de la société minière de Bakwanga, Jean-Charles Okoto Lolakombe et l'administrateur Jonas, sont venus admirer la beauté de ce siège qui reflète désormais l'image d'une plateforme présidentielle respecté par tous. Jean-Charles Okoto Lolakombe, lui aussi autorité morale d'un parti politique, a réitéré l'attachement et la loyauté de son parti à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, haute autorité politique de l'Union sacrée de la nation. Première impression est que le permanent vient de m'étonner. Je le reconnais sur toutes les autres qualités du monde. Maître et maître d'ouvrage, je ne pouvais pas m'imaginer. Je tiens à féliciter personnellement et au nom du conseil d'administration notre secrétaire permanent, parce que ce que je viens de voir ici, notre bâtiment, comme l'a dit l'administration Jonas, on ne se reconnaît même plus, on ne se retrouve même pas dans notre propre bâtiment. Un grand changement, et je crois qu'aujourd'hui l'Union sacrée doit être fière d'avoir un secrétaire permanent et d'avoir vraiment un bureau permanent qui peut nous permettre de bien travailler, de bien réfléchir pour aider notre machine congolaise d'aller de l'avant. Au secrétaire permanent, le professeur André Mbatabe Tukume Soumangou, Jean-Charles Okoto Lolakombe, a exprimé sa joie et sa satisfaction pour la qualité du travail. Une visite guidée a sanctionné cette rencontre avec espoir que les autres membres de la plateforme du chef de l'État suivront les pas. Tout à fait autre chose. Quelques maisons ont porté dans certains quartiers à Delvaux, dans la commune de Mongalima. Le tête de Rosion de Delvaux avance comme un ouragan. L'autorité municipale s'est rendue sur place. Cédric Yenina. Quoi de plus inquiétant que de voir sa maison sous la menace des érosions. Ils sont à Delvaux, dans la rue, en danger. Ils amassent tout à mes termes, mon conjambo, quand ils ont eu la rabisso, baya bandera, monsieur Missala, pour ma part, on ne vous est pas pour rien qu'on vous appelle Fatih Béton. C'est parce que vous, quand vous prenez une décision, ça va être fait. Je suis à 5 ou 6 mètres de l'érosion. Donc si je perds cette maison, où est-ce que je vais aller? Ayez pitié de nous, faites quelque chose pour nous. Toujours prompt à répondre présent en cas de nécessité, l'autorité municipale d'Ngaliema arpente les allées et retours des avenues de Delvaux et ses quartiers. Djelo Binza, Punda, Bangu, Kimpe et une partie de l'Oboudi dans le cadre de son itinérance. Arrivé sur le site érosif, les bourgmestres d'Ngaliema baladent son regard inquiet face à l'avancée inexorable de ces têtes d'érosion qui emportent tout sur leur passage. Il y a beaucoup de dégâts matériels que la pluie diluvienne a engendrés et nous avons vu qu'il y a plus de 3 parcelles qui sont englouties. L'avenir Lalou, c'est une avenue qui réunit sur 3 quartiers de Delvaux. Si rien n'est fait assez concernant cette érosion, nous risquerons qu'on ne puisse plus parler dans l'avenir de ces contrées de Delvaux. Même les investissements qui se sont faits au niveau notamment des Kanluka seront toujours mis aussi dans une situation de précarité. Nous suggérons au commandant suprême, je sais que vous écoutez toujours vos enfants, vous êtes toujours là pour nous secourir. En tout moment, nous vous félicitons car nous savons que vous allez intervenir pour cette situation de l'érosion de l'eau. Une situation qui s'est aggravée après la dernière pluie dans la capitale. Un SOS est lancé pour sauver ce qui peut l'être. Politique encore, début d'une série de consultations dans le parti politique Ma part pour le Congo, une démarche qui vise à redynamiser le parti. C'est un nouveau chapitre qui s'ouvre pour les partis politiques Ma part pour le Congo MPC avec cette consultation de toutes les couches du parti intervenue à la suite de la nomination du nouveau président intérimaire Espérant Kamanda.
Ce procédé de donner à tous les membres l'occasion de s'exprimer sur le fonctionnement du parti est une stratégie qui va insuffler un nouveau souffle pour la redynamisation de cette formation politique MPC. L'honorable Espérant Kamanda, qui a pris les bâtons des commandements de ses partis, lui légué par Étienne Tshisekedi wa Tshisekedi, qui en est le fondateur, reste déterminé à apporter le changement. Un appel à tous les membres, tous les cadres, tous les Congolais qui sont disponibles, qui veulent faire la politique avec nous, de venir passer au conseil. Nous sommes ici pendant 5 jours. Nous voulons relancer le parti sur de nouvelles bases. Plusieurs cadres du parti présents à cette manifestation, parmi lesquels les ministres provinciaux de l'éducation, culture et arts, tourisme et coopération interprovinciale ont lancé un appel collectif à l'endroit de tous les membres pour la fidélité et la loyauté. Donc je suis venu participer à l'activité lancée par le président national. À l'issue de cette manifestation, tous les membres MPC ont affiché la détermination de respecter la devise du parti qui se résume dans le patriotisme, égalité et le développement. Et puis ces titres avant de nous séparer, plusieurs projets d'électrification et d'eau potable en milieu urbain et périurbain exécutés par Anseur ont été relancés par le ministre de Ressources hydrauliques et électricité. Plus de 3000 personnes viennent de bénéficier de ces denrées vitales à travers le pays. Vêtements Kuntima. Un redémarrage qui s'annonce à grande pompe. Sous l'impulsion du ministre des Ressources hydrauliques et électricité, le professeur Dr Teddy Luambamouba, l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain, ANSER, s'engage à relancer les projets en suspens depuis plusieurs années. L'objectif est de finaliser ces initiatives et de livrer chaque mois au moins un nouveau projet d'électrification. Après les succès de ces projets à Maïdi dans la province du Congo central, exécutés sous l'autorité du ministre des tutelles, Anser a récemment achevé un nouveau projet à Kongolo dans la province du Tanganyika qui bénéficie à près de 350 ménages, soit environ 3000 personnes. Selon le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, le professeur Dr Teddy Luambamouba, cette initiative s'inscrit dans les cadres de la revitalisation de la croissance économique, avec un accent particulier sur les secteurs de l'eau et de l'électricité, conformément aux directives du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. En termes chiffrés, les objectifs gouvernementaux stipulent que 50% de l'énergie électrique produite sera dédiée aux petites et moyennes entreprises, PME et PMI, englobant ainsi des activités telles que les moulins, la menuiserie et la soudure. De plus, un site hydraulique a été aménagé pour fournir 1000 mètres cubes d'eau potable. Ce modèle de développement sera étendu à 20 autres territoires dans les 3 prochains mois afin d'améliorer l'accès à l'électricité et à l'eau potable dans la région. Madame, Messieurs, voilà tout pour ce matin. Je vous retrouve demain à 7h. Merci de nous avoir suivis. Merci également à Pécho Mbenga, Mamita Bangoulou, Gabi Konga, José Dimone Kene, Emile Nzola et Alain Ngalia pour avoir réalisé cette édition. À toutes et à tous, bonne journée.